Et bonjour tout le monde, c'est Borom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Et oui, c'est une vidéo recrutement. Voilà, donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi je fais cette vidéo, quel est le but et les projets pour la suite de la chaîne. Il faut savoir une chose, c'est que voilà, j'ai préparé donc depuis 2 semaines là, je suis occupé de réfléchir pour un roleplay sur Farming Simulator 17. Voilà, j'ai déjà le scénario en gros qui est fait. Bon, c'est pas extraordinaire, voilà, c'est mon premier RP, donc ce sera un RP. Voilà, j'ai essayé de faire ça bien, mais ce sera pas une histoire, donc un contexte qui va sortir de l'ordinaire. Genre, on sera pas dans l'espace par exemple. Enfin, ce sera une vie de. Ce sera quelque chose qui a un rapport avec la ferme et tous des trucs comme ça. Ce sera pas non plus quelque chose qui sort de l'ordinaire, enfin qui sort du réalisme et qui sort complètement de trucs. C'est pas mon but. Moi, j'ai envie de vous faire un RP sympa et assez pas trop irréaliste, on va dire ça comme ça. Du coup, on se retrouve sur ma chaîne parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'aller sur un jeu pour faire cette vidéo recrutement. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu sur ma chaîne. D'ailleurs, on peut voir qu'on est 73. Voilà, donc merci à tous. Ça fait super plaisir parce que les abonnés montent quand même assez vite. Enfin, moi, je trouve que voilà, je m'attendais pas à ce que les abonnés montent aussi vite et je suis quand même content parce que voilà, moi, j'essaie de vous fournir du contenu qui vous plaît, du contenu sympathique, du contenu. J'essaie de vous faire des choses que les autres font. Mais pas forcément tous, genre les petits paysagistes par exemple, c'est une série que vous adorez. Parce que sur Farming Simulator 17, je suis le premier à avoir fait les petits paysagistes. Enfin, du paysagisme, donc voilà. Après le bois, ça plaît un peu moins parce que le bois c'est vu, c'est revu. Mais c'est vrai que le paysagiste c'est fait. Et les gars, les industrialo bio là, voilà le nom de la série qui tue quoi. Je vous avoue que la première vidéo elle était pas top. Enfin, c'était pas une vidéo, c'était une vidéo banale, on va dire. On a fait juste de l'ensilage en multijoueur. Voilà, c'était pas hyper hyper impressionnant comme vidéo. Et du coup, voilà, la prochaine vidéo, je vous promets, on va faire un truc, on va couper du bois, on va faire des planches, on va faire des copeaux, on va faire des pellettes, on va faire plein de trucs. Cette série va être. Enfin, moi, je sens que ça va être ma série préférée pour tourner dessus parce que franchement, j'adore. J'adore tourner sur cette map. Franchement, je me lasse pas. Je bosse de ouf dessus. J'ai fait du blé. J'ai fait 40 000 litres de blé hier pour pouvoir nourrir mes bêtes, pour pouvoir avoir de lisier en suffisance pour pouvoir faire du gaz liquide. D'ailleurs, j'ai vu un petit live d'énergie qui comprenait rien. C'était assez drôle. Il comprenait rien à la map, c'était drôle. Il était un peu sur son cul qu'on devait faire autant de choses, mais voilà. Donc, on va enfin parler du contenu de la vidéo. Donc, voilà le RP Farming Simulator 17. Et c'est pour ce RP en fait que je recrute. Il me faudrait des gens, voilà, qui pourraient. Jouer correctement un rôle et prendre au sérieux, parce qu'il faudrait être un minimum sérieux. Je veux bien qu'on rigole et tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler dans les vidéos. Franchement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut quand même que ce soit propre et que ça ressemble à quelque chose. Il ne faut pas que ça parte en couille de tous les côtés. Donc voilà. J'aimerais bien. Donc, je vais essayer de faire un dossier. Donc, un lien que je mettrai dans la description, j'espère. Ou alors, vous allez bêtement sur mon site. Et vous m'envoyez un mail en disant j'aimerais bien être recruté, et puis vous me donnez votre adresse email, votre Skype ou votre Discord, comme ça je pourrais vous contacter par MP. Et donc il me faudrait 4-5 personnes, quelque chose comme ça. Et il me faudrait, ce qui serait vraiment nickel, c'est qu'il me faudrait une fille. Ce serait vraiment bien qu'il y ait une fille qui puisse jouer avec nous, parce que pour un RP c'est quand même beaucoup plus facile. Sinon il faut que je fasse un autre scénario. Enfin, il faudra pas changer énormément de choses. Il faudra juste changer
quelques petites choses, genre j'aurais juste, enfin voilà quoi, il y aura juste pas de filles dans la série, mais c'est vrai qu'une voix féminine ça change un petit peu des voix masculines tout le temps, donc c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait une fille et 4-5 personnes qui auraient Farming Simulator 17. J'ai fait un Google Doc avec tous les mods, donc tous les mods qu'il faudra, je les mettrai dans le Google Doc, comme ça je vous l'enverrai par mail ou par Discord. Comme ça vous allez sur le Google Doc, vous téléchargez tout, c'est facile, et puis ben, on se fera le petit RP tranquillement. J'ai la map, mais la map je suis pas sûr qu'elle soit vraiment, enfin voilà. Je sais pas si c'est vraiment cette map que je vais prendre parce qu'elle est pas hors du commun. Après pourquoi pas retourner sur une map un petit peu plus ancienne, comme par exemple la ferme du Boc, ou bien même encore ou bien la Belgique profonde. Maintenant la ferme du Boc, je vous avoue que la ferme du Boc elle me plaît bien parce que il y a autre chose que bêtement bêtement du céréalier, on peut faire de la bière. Donc ça ce serait, tu vois, enfin vous voyez, ce serait un petit peu un truc en plus qu'on pourrait faire dans le métier et tout ça. Ce serait sympa. Du coup, recrutement, 4-5 personnes, vous m'envoyez sur mon site ou bien dans la description. Checkez la description pour voir, hein, mais je suis pas sûr. De toute façon, mon site est dans le lien du site est dans la description. Vous allez dans nous contacter sur le site. Voilà, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo présentation du site. J'ai déjà fait ça. Attendez, on va vite aller voir. Non, j'ai jamais fait de vidéo présentation du site. Hein. Web. Ouais, j'ai déjà fait un paquet. Tac tac tac, ça c'est des jeux, tuto World of Logistics, ouais. City Skyline, découverte, spin tir, annonce très importante, ça c'était parce que mon PC avait été défoncé. Non, j'ai jamais fait de présentation. Ah ouais. Ouais, bah écoutez, je vais en faire une. Je vais faire une présentation de mon site internet. Très bientôt, pourquoi pas tout à l'heure même, comme ça je pourrai la sortir. Et donc vous allez sur le site, vous allez dans nous contacter, vous allez dans, vous mettez votre nom, votre adresse email, vous mettez peut-être aussi un lien Discord ou quoi, vous mettez par exemple, salut j'aimerais bien te recruter pour le RP, blablabla. Et voilà, je vous recontacterai, mais n'hésitez vraiment pas à venir, ou alors vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien du questionnaire. Vous allez la remplir, c'est tout simple. Je vais essayer de le faire maintenant. Voilà. D'ailleurs, le Google Doc, il est déjà là. Voilà, j'ai déjà commencé. D'ailleurs, monsieur est occupé de faire chier son monde. Ouais, par contre, voilà. T'es gentil, mais j'avais mis deux espaces à chaque fois, alors tu m'énerves pas. Merci, parce que monsieur Johan est sur la partie. D'ailleurs, Johan, toi aussi, tu dois mettre ton truc. Hein. C'est pas parce que je sais que tu vas faire le RP que tu dois pas mettre ta candide. Hein. Donc voilà, on a déjà tout ça. Je dois tous les tester pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Et puis, on verra tranquillement. Et, oups, putain, il y a ma voix qui est partie un petit peu en n'importe quoi là. Et deuxième chose, les gars, live ce soir. Ce soir, 21h, live sur Farming Simulator 2017 sur... la jeune souche. Voilà. Ce sera peut-être le dernier live sur cette map. J'en sais rien. Non, je pense pas. Parce que franchement, ils sont cool. Les maps. Enfin, les lives sur cette map, ils sont cool. Maintenant, après, je vais essayer de trouver des nouvelles maps. Il y a des nouvelles maps. Genre la map de Black Sheep. Je sais pas quand elle va sortir. Mais bientôt, j'espère. Et du coup, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc, le live de ce soir, le recrutement. Vraiment, je vous attends parce que franchement, j'aimerais bien le tourner pour que ça sorte pas le plus vite possible parce que j'ai envie de faire quelque chose de propre. Déjà, je vais essayer de faire le trailer parce qu'il faut que je prenne des prises de vue, que je fasse un espèce de... avec de la musique, du texte, où je vais essayer de faire un truc bien propre, tu vois. Bien sympa, donc voilà. Moi, sur ce, n'hésitez pas, donc venez faire votre candidature. Lâche un gros pouce bleu qui fait plaisir, c'est facile, tu vois là, tu vas sur une vidéo, voilà, tu fais tac, tu mets même pas pause et tu tapes là dessus voilà, ce serait vraiment sympa de ouf. Hop, d'ailleurs la vidéo, après, cette vidéo voilà qui était sympa, moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo, je parie. Donc voilà, moi je vous dis, lâche un like, commente, partage et va sur le site pour donner ta candide. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à ce soir pour un live. À tout de suite, à très bientôt.
à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo ETS2 en compagnie de Florian. Normalement, si tout va bien, on devrait tourner tout à l'heure. Donc voilà. Moi, je te dis à la prochaine, à ce soir. À plus tout le monde. Plus.